بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه L'annonce de l'entrée du mois de Ramadan est une très grande nouvelle pour la communauté musulmane. Le fait de pouvoir vivre ce mois de Ramadan est un très grand honneur pour les gens de la foi et pour les gens du Coran. Et il nous suffit d'observer notre communauté depuis maintenant quelques jours. Il nous suffit d'observer la joie des musulmans. Il nous suffit d'observer la soumission, l'obéissance que les musulmans ont depuis l'entrée de ce mois. Il nous suffit d'observer à quel point beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs sont revenus à Allah tabaraka wa ta'ala après lui avoir désobéi. Il nous suffit d'observer cela pour comprendre la beauté du mois de Ramadan, pour comprendre le charme de ce mois et pour se poser cette question. La question que nous allons tenter de donner quelques éléments de réponse lors de cette conférence, comment réussir son jeûne ? Comment réussir son jeûne ? Premièrement, en prenant conscience du bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. En prenant conscience du bienfait qu'Allah azza wa jal nous a octroyé. En prenant conscience à quel point Allah tabaraka wa ta'ala il est bienfaisant envers toi. Le mois de Ramadan est arrivé, toi tu l'as accueilli et tu es musulman. Alors que combien de nos proches sont égarés ? Combien de personnes n'ont pas reçu cette guidée ? Mais toi, Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé. Allah azza wa jal t'a préservé. Tu accueilles le mois de Ramadan avec joie. Tu accueilles le mois de Ramadan avec gaieté, avec honneur. Tu accueilles le mois de Ramadan en étant guidé. Et cela en réalité, c'est la plus belle, le plus beau des bienfaits, la plus grande des faveurs qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyé, c'est le fait qu'il a guidé nos cœurs. Wallah, il nous a guidés. Regardez cette assise ici. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, toute origine confondue. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a tous guidés, nous sommes là ici, ensemble, dans la même mosquée, pour écouter cette conférence. En réalité, nous devons ressentir le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Également, nous avons accueilli le mois de Ramadan en étant en pleine santé, en étant vivant. Combien de personnes, au moment où nous parlons, alors que nous sommes sur terre, combien de personnes sont sous terre ? Combien de personnes, que ce soit parmi nos proches, parmi des gens que l'on connaissait, auraient aimé vivre le mois de Ramadan ? Ils auraient aimé vivre ce que nous vivons. Mais ça y est, c'est fini, c'est trop tard. Leur livre est fermé. Nous, nous sommes vivants. Nous avons la possibilité de vivre ces jours bénis. Nous avons la possibilité de vivre ces nuits précieuses. C'est pour cela que, comment réussir son jeûne ? Premier élément de réponse, en prenant conscience du bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Et lorsque tu prends conscience du bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi, tu vas
donner un maximum et par cela, bi'idhnillah, tu vas réussir. Tu vas réussir ton jeûne. Nous accueillons le mois de Ramadan en étant en sécurité des pays. Et combien de pays sont sous les bombes, sous la guerre, dans l'insécurité, dans la famine, dans la peur, dans la crainte, dans l'oppression, dans la violence. Et nous, alhamdoulilah, nous on est en sérénité, en sécurité. Toutes ces choses-là font partie des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés. Comment réussir son jeûne? Comment réussir son jeûne? Tout simplement en demandant l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car sans l'aide d'Allah azza wa jal, tu ne peux rien. Sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, لولا الله ما صمنا وما صلينا وما اهتدينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sans l'aide d'Allah, ni on aurait pu jeûner, ni on aurait pu prier, ni on aurait été guidé. Donc on se doit de demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de nous aider à l'adorer de la meilleure manière. Et c'est pour cela que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de chacune de ses prières: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à te remercier et aide-moi à t'adorer de la meilleure manière. Également, le Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Al-aya. Ce verset, dans quelle sourate il se trouve? Tafaddalou. Quelle sourate? Sourate Al-Baqara. Quel verset? Je vais vous aider. 186. Ce verset, lorsqu'on analyse, où est-ce qu'il se trouve? C'est quoi le verset qui est juste avant? Et c'est quoi le verset qui est juste après? Sachez que dans Sourate Al-Baqara, on a ce que l'on appelle Ayat al-Siyam, les versets du jeûne, qui vont du 183 jusqu'au 187. Celui-là, il est 186. Ça veut dire que le verset juste avant, les versets juste avant, ils parlent de quoi? Il parle du jeûne du mois de Ramadan. Le verset juste après, il parle de quoi? Il parle du mois de Ramadan. Les savants, qu'est-ce qu'ils en ont déduit? Que ce verset, il est entre eux, ces versets du mois de Ramadan, en plein milieu, que l'invocation durant le mois de Ramadan a une place particulière. L'invocation durant le mois de Ramadan a une place particulière, subhanallah. Lorsque tu invoques durant le mois de Ramadan, premièrement, tu as l'honneur du temps. Tu invoques dans un temps béni, qui est le mois de Ramadan. Et en plus de cela, tu invoques en état de jeûne. Donc tu invoques dans un état qui est favorable, un état de soumission, un état d'adoration. C'est pour cela que le deuxième élément de réponse, comment réussir le jeûne du mois de Ramadan en demandant l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala et en invoquant, en multipliant les invocations. Comment réussir son jeûne du mois de Ramadan? Tout simplement en prenant conscience de la valeur de ce mois. En prenant conscience que nous vivons dans un mois qui a des spécificités qu'aucun autre mois a. Nous vivons dans un mois qui a des mérites qu'aucun autre mois a. Le mois de Ramadan, le mois du jeûne et de la prière. Le mois de Ramadan, le mois du Coran, ce mois qui est béni. Le mois de Ramadan, comme le disait l'imam al-Zuhri, rahimahullah, c'est un mois dans lequel il y a le qira'atul Coran wa it'am al-ta'am. C'est un mois de lecture du Coran. C'est un mois de nourriture des pauvres. Et comment ce mois ne serait-ce pas le mois du Coran alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois du Ramadan dans lequel le Coran fut révélé. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'unicité, le mois de la soumission, le mois de la sincérité. Le mois de Ramadan, c'est un mois de bien et un mois de piété. Le mois de Ramadan, c'est un mois de bienfaisance, un mois de barakat, de bénédiction, un mois d'obéissance, un mois de bonnes actions. C'est le mois de la patience.
Comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mois de la patience, c'est le mois de l'endurance. Naam, je vis durant le mois de Ramadan, qui est le mois de l'adoration, le mois de la soumission, le mois du rappel, le mois de l'invocation, le mois du repentir, du pardon, de la demande de pardon. Je vis durant le mois de Ramadan, ce mois qui est un mois de retour à Allah Azza wa Jal, ce mois durant lequel combien de musulmans ont désobéi à leur Seigneur et sont revenus à l'obéissance après lui avoir désobéi. Je vis durant le mois de Ramadan, le mois du partage, le mois de l'entraide, le mois de la solidarité, le mois de la bienfaisance, du don et de la générosité. Je vis durant le mois de Ramadan, ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. Je vis durant le mois de Ramadan, le mois duquel les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. Je vis durant le mois de Ramadan, le mois durant lequel les shayatines sont enfermées. Je vis durant le mois de Ramadan, le mois durant lequel, à chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à un ange de faire un appel, de faire une exhortation qui te motive. Qu'est-ce qu'il dit l'ange ? Ô toi qui veux le bien, fais-le. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi, ne le fais pas. Je vis durant le mois de Ramadan, ce mois où chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala affranchit, sauve des gens de l'enfer. Durant chaque nuit de ce mois, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne les péchés des jeûneurs et il les sauve de l'enfer. Chaque nuit que tu vis, cela peut être une nuit qui changera le reste de ta vie. Parce que cela sera peut-être une nuit par laquelle tu vas redevenir comme au jour où ta mère t'a enfanté. Cela sera peut-être une nuit dans laquelle Allah azza wa jal te pardonnera tes péchés. Et par cela, il te sauvera, il t'affranchira du feu de l'enfer. Comment réussir mon jeûne ? Bon, tout simplement en comprenant. En comprenant c'est quoi le mois de Ramadan ? En comprenant que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de tradition. Ce n'est pas un mois de culture. Ce n'est pas simplement « j'ai vu mes parents jeûner, alors je jeûne. Mes amis à l'école jeûnent, alors je jeûne. Mes collègues à travail jeûnent, alors je jeûne. » Non. Le mois de Ramadan, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une tradition. C'est une adoration, c'est une soumission par laquelle tu es soumis à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le mois de Ramadan, comme on le verra, bi'idhnillah, fait partie des plus grandes preuves du tawhid, les plus grandes preuves de l'unicité d'Allah, azza wa jal, de soumission, d'obéissance, de vénération, de dévotion. Le mois de Ramadan, je dois prendre conscience qu'en réalité, je vis dans le plus grand des mois. Je vis durant le plus important des mois. Comment réussir mon jeûne du mois de Ramadan ? En prenant conscience que je suis en train de jeûner durant le mois le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Le mois le plus aimé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le mois de Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala a élevé ce mois et Allah Azza wa Jal élève ce qu'il veut parmi les créatures. Comment réussir mon jeûne ? Bah, tout simplement en prenant conscience que je vis une période de ribh, de bénéfice. Mets-toi un seul instant à la place d'un commerçant. Un commerçant, il a une marchandise à vendre. Et on lui dit, attention, durant un mois, tu peux décupler tes bénéfices. Tu peux devenir millionnaire, voire milliardaire. En un mois, tu peux prendre ce que certains ne prendront pas en toute une vie. Il va faire quoi ce commerçant ? Il va dormir. Il va être fatigué. Il va regarder la télé toute la journée. Il va télécharger un maximum de séries. Il va rester sur son téléphone. Il va tuer le temps. Est-ce qu'il va faire ça ce commerçant ? Oui ou non ? Non ! Matin, midi, soir, il va... Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. Il va être en mode bénéfice, 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 bénéfice. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et si c'est nous, ce commerçant, on le ferait ou on ne le ferait pas ? Ça y est, tu décuples. Ça y est, il n'y a plus d'excuses, j'y vais. Ben regarde, que dire du mois de Ramadan ?
où tu as la possibilité, où tu as la possibilité de gagner comme tu ne pourras pas gagner durant toute l'année. Tu as la possibilité de ressortir de ce mois avec des montagnes de hasanat qui pèseront lourd dans ta balance yawm al-qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala il dit inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dans le sens du verset, ceux qui récitent le livre d'Allah observent la prière qui en secret et en public dépensent de ce que nous leur avons attribué, espèrent un commerce au profit intarissable. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit yarjoun. Ils espèrent un commerce au profit intarissable. Ben regardez cet espoir. Il est plus grand durant le mois de Ramadan. Parce que nous sommes dans la saison, dans la période où les hasanats vont être décuplés, vont être multipliés. C'est pour cela qu'on se doit de prendre conscience de la valeur, de ce mois. Comment réussir, mon jeûne du mois de Ramadan, en prenant conscience qu'Allah Azza wa Jalla a choisi ce mois-là pour prescrire une des plus belles adorations qui est le jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce mois-là pour prescrire, pour légiférer, pour rendre obligatoire le jeûne durant ce mois-là et pas durant un autre mois. Allah tabaraka wa ta'ala il dit ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Et lorsque tu entends dans le Coran ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, prête l'oreille, prête attention, parce que soit Allah tabaraka wa ta'ala va te donner une information qui va falloir que tu rendes véridique, soit Allah Azza wa Jal va te donner un ordre qu'il va falloir que tu te soumets, soit Allah tabaraka wa ta'ala va t'interdire une chose, il va falloir que tu t'en écartes. Donc lorsque tu entends ya ayyuhalladhina amanu, prête l'oreille. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? Kutiba alaykum as-siyam. Nous vous avons prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est ça le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas simplement s'abstenir de manger et de boire. Ce n'est pas un régime. Le jeûne, c'est l'objectif principal du jeûne. C'est quoi? C'est qu'on atteint la piété, la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cette crainte, cette piété, en réalité, c'est quoi la taqwa? La taqwa, c'est un bouclier que tu vas mettre entre toi et entre le feu de l'enfer. Imagine un seul instant, on te dit, tu as la possibilité maintenant d'avoir un bouclier que tu mettras entre toi et le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer ne pourra pas t'atteindre si tu as ce bouclier. Tu vas le chercher ou pas? Tu dis, combien? C'est combien? J'y vais. Qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre? Je le prends. Eh bien, la taqwa, c'est ça. La taqwa, tout simplement, c'est le fait d'adorer Allah, de te soumettre à l'ordre d'Allah, d'obéir à Allah et de t'écarter de ses interdits. Si vraiment on veut résumer la taqwa, on va dire comme cela. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa » et prenez vos provisions, bien que la meilleure des provisions, c'est laquelle? C'est la taqwa. Et à quel moment tu peux encore plus prendre ta provision de la taqwa? Durant le mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan. Et subhanallah, ça c'est un point capital. Ça c'est un point sur lequel nous devons nous arrêter. L'objectif du jeûne, c'est quoi? C'est la piété. Écoutez les versets du jeûne. Vous avez vu tout à l'heure, on a dit du verset 183 au verset 187. Le premier verset, donc le verset 183, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindriez-vous la piété. Ainsi atteindriez-vous la piété. Ça c'est le premier. Le dernier verset, il termine comment? La'allahum yattaqoun. La'allahum yattaqoun. Afin qu'ils craignent. Afin qu'ils craignent. Ça veut dire que, regardez, ces versets du jeûne, le premier, il termine par quoi? Par la piété.
Le dernier, il termine par quoi ? Par la piété. Et ça, en réalité, ça fait partie des plus beaux enseignements que nous enseigne le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est une école. Le mois de Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école. Une école, elle a quoi comme objectif ? Elle t'enseigne et elle t'éduque. Le mois de Ramadan, il t'enseigne et il t'éduque. Il t'éduque comment ? Il t'éduque sur la piété. Subhanallah. Lorsque tu médites sur le jeûne, lorsque tu médites un seul instant sur le jeûneur, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a interdit quoi ? Allah azza wa jal, il t'a interdit durant la journée du mois de Ramadan, durant ton jeûne, il t'a interdit des choses qui à la base te sont halal. Manger des bonnes choses, c'est halal. Boire des bonnes choses, c'est halal. Commercer avec son épouse, c'est halal. Mais tu vas t'abstenir des choses halal. Dans quoi ? Il y a quoi comme éducation ici ? C'est que si tu es capable d'arrêter des choses halal, si tu es capable de t'abstenir des choses halal, ben encore plus des choses haram. C'est pour cela que le jeûne, il est de deux types. Un jeûne déterminé, le jeûne du mois de Ramadan, ou le jeûne surrogatoire. C'est-à-dire que tu vas t'abstenir de manger, de boire, de commettre un annulatif parmi les annulatifs du jeûne durant un temps déterminé. Ensuite, le Maghreb, il arrive, tu peux boire, tu peux manger, tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire durant la journée. Mais il y a un autre type de jeûne, un jeûne que tu devras faire toute ta vie, un jeûne qui est obligatoire, la journée comme la nuit, un jeûne qui est obligatoire durant le Ramadan comme en dehors du Ramadan, un jeûne qui est obligatoire pour le balade comme pour celui qui est en bonne santé, pour le résident comme pour celui qui est en voyage, pour celui qui est en état de pureté comme pour la femme qui n'est pas en état de pureté. Un jeûne qui est obligatoire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est quoi ? Le jeûne des péchés. L'abstinence, l'abstention des péchés, de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Ça, c'est toute ta vie. Le jeûne du regard. Le jeûne du regard. Attention à ce que tu regardes tout le temps. Attention à ce que tu dis tout le temps. Attention à ce que tu écoutes tout le temps. Attention à ce que tu fais, à où tu marches, où tu vas, etc. Ce que tu prends, ce que tu donnes. Dans toutes ces choses-là, le musulman, il a un jeûne qui est absolu. Et le jeûne du mois de Ramadan t'éduque sur cela. Il t'éduque sur cette chose-là. Également, parmi les grands points ou les grands éléments de réponse de se dire comment réussir mon jeûne, ben, tout simplement en prenant conscience de la gravité de ne pas jeûner. Abu Umam al-Bahili, radiyallahu anhu, il rapporte dans un long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de dormir et il a vu dans son sommeil deux hommes venir. Et dans d'autres hadiths, ce sont deux anges, Jibril wa Mika'il. Ces deux hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils l'ont pris et ils l'ont amené vers une montagne escarpée, très difficile de grimper, de monter. Ils lui ont dit, Is'ad, monte. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, de dire, je ne peux pas monter. Alors ils lui ont dit, nous allons te rendre le chemin facile. Alors ils l'ont fait monter. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a entendu des cris horribles, des cris effrayants. Alors il a dit, mais quels sont ces cris ? Alors ils lui ont dit, ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit, ce sont les cris des gens de l'enfer. A'adhanallahu wa iyyakum. Ensuite, ils l'ont fait avancer. Et là, il a trouvé des gens, plusieurs personnes. Les pieds, les chevilles attachées. La tête en bas. La bouche déchirée, déchiquetée, ensanglantée. Le feu qui monte en premier vers quoi ? Vers leur bouche, vers leur tête. Alors il a dit, qui sont ces gens-là ? Qui sont ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ce sont ceux qui rompent le jeûne avant leur terme. C'est-à-dire, ce sont des gens qui jeûnent, mais qui rompent leur jeûne, avant le Maghreb, avant leur terme. Regardez le châtiment de ces gens-là. Que dire d'une personne qui ne jeûne pas ?
A'adhan Allah wa iyyakum. Que dire d'une personne qui ne jeûne pas? Des personnes qui n'arrivent pas à jeûner à cause de la cigarette. Une cigarette fait que la personne s'expose à ce châtiment. Pourquoi? Parce que la cigarette l'empêche de jeûner. Regardez la faiblesse de l'être humain lorsqu'il est plongé dans les péchés. Regardez le désarroi. Comment tu peux désobéir à Allah Azza wa Jal dans un pilier, parmi les piliers de l'islam, pour une cigarette, ou pour une fille, ou pour tel péché. Quelle bassesse. En réalité, c'est une bassesse, c'est une tristesse, c'est une faiblesse. Quelle faiblesse. Comment peut-on être à tel point faible, et cela à cause de nos péchés. Regardez comment les péchés, ils peuvent nous enfermer, ils peuvent nous ligoter. C'est pour cela qu'il faut être fort. Il faut être fort. Comment réussir mon jeûne? C'est en prenant conscience que je suis tel un combattant. Tel un combattant qui fait le maximum d'efforts. Fais un maximum d'efforts. Et bien, idhnillah, tu arriveras à jeûner ce jeûne. Comment réussir mon jeûne? Tout simplement en connaissant les règles du jeûne. Ce n'est pas normal qu'on connaît énormément de choses. Énormément de choses. Dans différents domaines. Telle personne, tu vas lui donner un problème informatique, c'est simple pour lui. T'es là, t'es perdu. L'autre a un problème mécanique, la personne a un chirurgien, un problème sur ton corps. Pour certaines personnes, très simple, elles connaissent énormément de choses. Mais quand il s'agit de la religion, malheureusement, beaucoup sont ignorants. Beaucoup sont ignorants des règles religieuses. Et ça, c'est pas normal. On se doit de connaître les règles qui régissent de ce jeûne, parce qu'en réalité, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une adoration. Et chaque adoration, je dois savoir la faire. Et comme on a dit tout à l'heure, je ne jeûne pas comme mes parents ont jeûné. C'est pas ça le jeûne. Certains vont jeûner comme leurs parents vont jeûner. Alors c'est possible que tes parents ont jeûné convenablement, mais c'est possible qu'ils se sont trompés. Tu vas faire quoi? Tu vas reproduire les erreurs, non? Certains vont jeûner comme les amis à l'école vont jeûner. Et là, des fois, on en entend des vertes et des pas mûres, comme on dit. Et ça, alors, quand tu écoutes certaines personnes, tout annule le jeûne. Tu mets du parfum, ça annule. Ça annule ou ça annule pas? Si tu le bois, oui, ça annule. Sinon, non. Et toutes ces choses-là que l'on peut entendre, qui n'ont ni queue, ni tête, ni source, ni texte. C'est pour cela qu'on se doit de connaître les règles du jeûne. On se doit de comprendre, d'apprendre les règles du jeûne et ne pas se fier à tel ami, à tel collègue, à telle personne ou à telle personne, mais on se fie aux gens du rappel, ceux qui vont nous enseigner, les règles de la religion. Comment réussir mon jeûne? Mais tout simplement en prenant conscience que nous sommes dans un mois béni. Comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Qad ja'akum Ramadan ». Certes, le mois de Ramadan est arrivé. Certes, le mois de Ramadan vous est venu. « Shahrun Mubarak ». C'est un mois béni. « Iftarad Allahu alaykum siyamahu ». C'est un mois durant lequel Allah azza wa jal vous a imposé de jeûner. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Subhanallah, quand tu prends conscience que durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, c'est-à-dire que ce que tu vas faire, il est facile de faire des œuvres qui vont te mener au paradis, et que les portes de l'enfer sont fermées, il est facile d'arrêter des péchés qui vont te mener au feu de l'enfer, et également les shayatines sont enfermées. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui est privé de cette nuit aura été privé de tout le bien. Donc lorsque tu prends conscience que tu ne dois pas faire partie de ceux qui ont été privés, dans ce cas-là, tu vas réussir à jeûner comme il se doit.
Les jeunes, barakallahu fikoum, si vous pouvez parler à l'extérieur ou écouter le dars, barakallahu fikoum. Donc je disais, soit on parle à l'extérieur, soit on s'assoit, on se rapproche, on écoute. D'accord ? Parce que c'est compliqué de parler et d'écouter parler en même temps. Comment réussir mon jeûne ? Comment réussir mon jeûne en réalité ? C'est en prenant conscience d'un point parmi les points les plus importants. C'est que le jeûne du mois de Ramadan, il va t'éduquer à la base de toute adoration. Le jeûne du mois de Ramadan, il t'éduque à la sincérité, au fait d'être sincère envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu médites un seul instant sur le jeûne en réalité, c'est une adoration qui est secrète entre toi et Allah Azza wa Jal. Seul Allah, tabaraka wa ta'ala, connaît, fait la distinction entre les jeûneurs et les non-jeûneurs. C'est un acte entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'Allah Azza wa Jal, il dit « As-siyamu li wa ana ajzibi ». Le jeûne est à moi et c'est moi qui le rétribue, c'est moi qui le récompense. Également, écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal, il dit en parlant de qui ? En parlant du jeûneur. Écoutez ce qu'Allah il dit. Yada'u ta'amahu, il délaisse sa nourriture. Wa sharabahu, il délaisse sa boisson. Wa shahwatahu, il délaisse ses désirs. Min ajli, pour moi. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal, il dit min ajli. Et en réalité, regarde lorsque tu jeûnes. Tu jeûnes ? Et tu te retrouves tout seul dans un endroit, dans ta cuisine, avec toutes les saveurs qu'il y a dans nos cuisines. Pourquoi ça ne te vient pas à l'idée, ça te traverse même pas l'esprit de t'enfermer, bon pour certains peut-être, de t'enfermer et de manger. Pourquoi tu ne le ferais même pas? Pourquoi on te pose ? Regardez, subhanallah. Ça, en réalité, c'est sur ça qu'on doit méditer. On te pose un plat, une boisson, alors que tu as soif, de la nourriture, alors que tu as faim. On te le pose une minute avant le maghreb. Tu le manges ou tu ne le manges pas ? Tu ne le touches pas. Une minute après, tu le dévores. Regarde, subhanallah. Ça, c'est quoi ? Pourquoi quand tu es seul, tu ne vas pas boire ? Tu ne vas pas manger. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'Allah, na'am, ahsant, barakallahu fik. Et c'est exactement ça. Parce qu'Allah, il te voit. Parce que tu sais qu'Allah, azza wa jalla, il te voit. Parce que tu sais qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il t'observe. Parce que tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il te jugera, il t'interrogera. À la fin de la conférence, je te donnerai un cadeau, inshallah, d'accord ? T'oublie pas de me le rappeler. D'accord ? Subhanallah, et ça en réalité, ça c'est le plus beau enseignement du jeûne, c'est al-muraqabah, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'observe. Également, comment réussir mon jeûne, le jeûne du mois de Ramadan ? Bah, tout simplement en prenant conscience que c'est le mois de la patience. C'est un mois durant lequel je dois patienter. Parce que si je ne patiente pas, je ne vais pas réussir à obéir à Allah comme il se doit. Si je ne patiente pas, je ne vais pas réussir à m'abstenir des péchés. Et si je ne patiente pas, je ne vais pas réussir à supporter les choses douloureuses qu'Allah Azza wa Jal m'a décrétées. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le jeûne du mois de Ramadan, le mois du Ramadan plutôt, il a appelé comment ? Shahr al-Sabr, le jeûne, le mois de la patience. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith authentique, Saumu shahri sabr. Le fait de jeûner le mois de la patience. Wa thalathatu ayyam min kulli shahr saumud dahr. Le fait de jeûner le mois de la patience. Et le fait de jeûner 3 jours de chaque mois, cela correspond au jeûne de l'éternité. Parce que le fait de jeûner le mois de la patience. C'est quoi le mois de la patience ? C'est le mois de Ramadan. Tu jeûnes 30 jours, multiplié par 10, tu as la récompense de jeûner. Tu as la récompense d'avoir jeûné 300 jours.
Tu jeûnes 6 jours après de Shawwal, tu as la récompense de jeûner une année. Si tu jeûnes 3 jours dans le mois, tu jeûnes 3 jours dans le mois, c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. 30 fois 12, 360. Il y a combien de jours dans le mois lunaire, dans l'année lunaire, 360. Donc ici, regardez l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais surtout, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la patience, elle se divise en trois. La patience sur les obéissances. Comme on a dit, si tu n'as pas de patience, tu ne vas pas réussir à obéir à Allah. Tu ne vas pas réussir à patienter sur cela. La patience sur les désobéissances. Si tu n'as pas de patience, tu vas tomber dans n'importe quel péché, n'importe quel désir que tu as, tu vas tomber dedans. Il te faut de la patience pour t'abstenir, pour arrêter. Et la patience sur les décrets d'Allah Azza wa Jal, bien qu'ils soient douloureux. Et lorsque tu jeûnes, tu ressens cela. Tu dois patienter pour obéir à Allah Azza wa Jal, patienter, tenir ce jeûne jusqu'à le maghrib. Tu dois patienter sur les désobéissances, sur le fait de t'abstenir de certaines choses, et tu dois patienter sur la fatigue, sur la faim, sur la soif que tu peux ressentir, bien que des fois ce soit douloureux, mais dans cela, tu vas patienter sur cela. Comment réussir mon jeûne? Comment réussir le jeûne du mois de Ramadan? En prenant conscience que c'est un mois de concurrence dans le bien. On se doit de se concurrencer dans les bonnes actions. Ça veut dire que comment réussir ton jeûne du mois de Ramadan? En te mettant un programme, en vivant pleinement ses journées et en vivant pleinement ses nuits. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ » Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, « سُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِ » Les démons sont enfermés, ainsi que les djinns puissants. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٍ Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٍ Les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. وَيُنَادِ مُنَادٍ Et chaque nuit, un ange appelle. يَا بَارِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ Ô toi qui veux le bien, avance, fais-le. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Et regarde, subhanallah, des fois durant le mois de Ramadan, tu as envie de faire des bonnes actions. Il y a un dars, tu as envie d'écouter. Mais après tu te dis, ah vas-y, j'ai des trucs à faire. Non, tu as envie, fais-le. Pense à ce que l'ange y dise. Tu as envie de faire le bien, fais-le. Tu as envie de faire une sadaqa, mais après tu dis, ouais mais l'argent, j'en ai besoin pour ceci. Fais-la. Tu as envie de faire du bien, fais-le. Tout comme tu as envie de faire un péché, abstiens-toi. Ne le fais pas. Arrête, abstiens-toi et ne le fais pas. Et comme il dit le prophète alayhi salatu wa salam à la fin de ce hadith, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ Et à Allah Azza wa Jalla appartient des affranchis de l'enfer et cela durant chaque nuit. C'est pour cela que lorsque tu prends conscience de ces choses-là, tu vas prendre conscience à quel point tu te dois de faire un maximum d'adoration. Comment réussir mon jeûne? En prenant conscience que le jeûne du mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. En profitant du festin du Coran, du banquet du Coran, subhanallah. Chaque lettre que tu lis, c'est 10 hasanat. Chaque lettre que tu vas lire, c'est 10 hasanat. Tu vas lire Bismillahirrahmanirrahim. Il y a 19 lettres, 190 hasanat. Et tu fais cela avec, compte le nombre de hasanat que tu peux avoir sur une page. Ne délaisse pas le Coran. Et si tu ne sais pas lire, sache que tu es comme quelqu'un qui a un handicap. Mais cet handicap, tu peux le guérir. Mets-toi à la place d'une personne qui est handicapée. Mais tu lui dis, si tu fais tel exercice, tu retrouves la marche, ou tu retrouves la vue, ou tu retrouves la parole. Il va le faire ou il ne va pas le faire? Il va le faire. Il va faire un maximum d'exercices. La même chose. Tu as un handicap, tu ne sais pas lire. Tu est privé d'un festin de hasanat. Et bien dans ce cas-là, dès maintenant, tu te mets à l'apprentissage. J'ai connu des personnes qui en quelques jours ont appris à lire. En quelques jours ont appris à lire. Ils ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas différencier le alif du ba. En quelques jours, il a réussi à lire. Pourquoi eux, ils arrivent et pas toi, non? C'est pour cela que celui qui ne sait pas lire, celui qui est loin du Coran, qui profite de ce mois pour ne pas être privé de cette grande récompense. Comment réussir
le jeûne du mois de Ramadan, en prenant conscience que c'est le mois du partage, en prenant conscience que c'est le mois de la solidarité, de l'entraide, en prenant conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'éduque durant le jeûne, j'ai faim, j'ai soif, ben je ressens ceux qui ont faim toute l'année. Je ressens ceux qui ont soif toute l'année. Je ressens ce que les plus démunis ressentent en prenant conscience du bienfait lorsqu'arrive l'iftar et que tu bois et que tu manges. Ce plaisir que tu as à ce moment-là, cette joie, prends conscience que cette joie-là, tu peux la transmettre aussi à autrui. Alors quand tu vas prendre conscience de cela, ben, tu vas prendre conscience que tu te dois d'œuvrer pour les plus démunis durant ce mois. Alors regarde ce qui se fait autour de toi. Regarde ce qui se fait dans la mosquée. Dans la mosquée, alhamdoulilah, dans cette mosquée, tous les soirs, ils nourrissent les plus démunis. Aidez à les nourrir, ne serait-ce que financièrement, ne serait-ce que par votre participation, ne serait-ce que par n'importe quel moyen. Mais aider, invoquer Allah Azza wa Jal en faveur de ceux qui sont là, qui, au lieu de passer l'iftar en famille, le passent ici à la mosquée, le passent ici avec les plus démunis, entre la joie dans leur cœur. Mais subhanallah, c'est ça le mois de Ramadan. Il y a quoi de plus beau? Il y a quoi de plus beau que cela? C'est pour cela qu'on se doit d'œuvrer, de rechercher autour de nous qui sont les personnes qui aident les plus démunis pour que je puisse proposer mon aide. Hier, j'ai rencontré des jeunes. Subhanallah, ces jeunes, ils m'ont marqué. C'est des jeunes, je ne les avais jamais vus. Je les ai rencontrés, comment? Parce qu'ils ont donné, fi sabilillah, de leur temps. Ils ont été voir une association, ils ont dit, nous sommes libres, donnez-nous tout ce qu'on doit distribuer, avec notre voiture, on va prendre, on va distribuer auprès des gens. Et bien, subhanallah, j'ai pu m'asseoir avec eux, discuter avec eux, parler avec eux. Tu vois des jeunes qui sont là, ensemble, dans une bonne ambiance, et qui distribuent des centaines de repas à des étudiants, à des réfugiés, à des personnes dans le besoin, à ceci, à cela. Regarde, subhanallah, c'est ça notre jeunesse. Notre jeunesse qui s'investit, fi sabilillah. Notre jeunesse qui s'investit dans les mosquées. Notre jeunesse qui s'investit dans le khair. Et ça, ce sont des personnes qui ont compris le jeûne du mois de Ramadan. Comment réussir le jeûne du mois de Ramadan? Bah, tout simplement en prenant conscience que c'est le mois du pardon. C'est le mois du repentir. C'est le mois où chaque nuit je peux être sauvé de l'enfer. C'est le mois où je peux ressortir de ce mois en étant lavé, en étant purifié de mes péchés. Et c'est pour cela que lorsque l'on médite sur le jeûne du mois de Ramadan, sur les paroles du prophète alayhi salatu wasalam, on trouve qu'il y a beaucoup de paroles qui viennent liées, qui sont en lien avec le pardon des péchés. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, celui qui prie les prières de nuit durant le mois de Ramadan, celui qui prie durant laylatul qadr se verra pardonné de tous ses péchés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar et il a dit amin, amin, amin. À chaque marche qu'il montait, il disait amin. Alors les compagnons lui ont dit, mais pourquoi tu dis amin? Pourquoi tu as dit trois fois? Vous savez ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Il a dit, l'ange Jibril alayhi salam est venu. Imaginez-vous cet instant, le meilleur des anges qui vient voir le meilleur des prophètes. Le meilleur des messagers parmi les anges qui vient voir le meilleur des messagers parmi les êtres humains. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'ange Jibril alayhi salam, il lui dit, ya Muhammad. Il lui dit, oh Muhammad alayhi salatu wassalam. Si une personne a connu ses parents alors que ses parents étaient âgés et qu'il n'a pas réussi à se faire pardonner de ses péchés, qui meurt et qui va en enfer, qu'il soit éloigné. Dit amin, alors le prophète alayhi salam a dit amin. Il lui dit, si une personne a laissé entrer le mois de Ramadan, elle a vécu dans le mois de Ramadan, elle a laissé sortir, partir le mois de Ramadan, et elle n'a pas réussi à se faire pardonner de ses péchés. Il meurt, il entre en enfer, qu'il soit écarté, qu'il soit éloigné. Dit amin, alors je dis amin. Et que celui qui, lorsque tu es prononcé auprès de lui, ne prie pas sur toi, il meurt, il va en enfer, qu'il soit éloigné. Dis amin, alors je dis amin.
Subhanallah. L'ange Jibril alayhi salam qui invoque contre qui? Contre une personne qui a laissé. Une personne qui est rentrée dans le mois de Ramadan, mais en réalité elle n'a rien changé. Le mois de Ramadan n'a pas eu, il n'a pas tiré profit du mois de Ramadan. Il n'a pas eu d'impact sur son cœur. Cette personne, elle a continué, elle a vécu. Comme si je vivais un autre mois. Le mois est parti, lui il n'a pas réussi à se faire pardonner de ses péchés. L'ange Jibril alayhi salam, il dit qu'il soit éloigné. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Rahima enfumre'in, que soit humilié. Que soit humilié, tel, yani la personne qui laisse le mois de Ramadan entrer, qui le laisse sortir et qui ne se fait pas pardonner de ses péchés. Parce qu'en réalité, c'est simple de se faire pardonner de ses péchés durant le mois de Ramadan. C'est très simple de se faire pardonner de ses péchés. C'est pour cela qu'on doit faire les causes. On doit faire les causes afin de gagner et de se faire pardonner de ses péchés. Comment réussir le mois de Ramadan? En réalité, en prenant conscience que notre temps a une valeur. Que notre temps est précieux et que chaque jour ou chaque nuit de ce mois est béni et que chaque jour de ce mois est précieux et que chaque instant de ce mois je dois en profiter, je dois saisir cette occasion, cette opportunité. C'est un mois d'effort, c'est pas un mois de paresse. Certaines personnes, tu parles avec eux, ils te disent ah c'est Ramadan, faut pas me parler. Ah, c'est Ramadan, je ne vais même plus travailler. Yo, travailler là, dégoûté. Oh, c'est ça que tu renvoies aux gens extérieurs. C'est ça que tu renvoies à ton voisinage. C'est ça que tu renvoies à ta famille. Le mois de Ramadan, ça m'énerve. Je suis énervé, je suis angoissé, je suis stressé. Subhanallah. Mais c'est tout le contraire. C'est un mois de gaieté. C'est un mois de joie. C'est un mois dans lequel tu te dois d'exprimer ta joie. C'est un mois dans lequel tu dois être actif. Et pas négligent, pas laxiste, pas paresseux, et pas là. La lassitude. Et malheureusement, on entend beaucoup de personnes qui disent, on va tuer le temps. Subhanallah, tu vas tuer le temps du Ramadan. Mais tu te tues toi-même. Comment on va tuer le temps? C'est les péchés que tu dois tuer. C'est les péchés que tu dois éradiquer. Et malheureusement, on voit la situation de notre communauté. C'est que certains vont passer des heures et des heures devant les séries, devant des futilités, alors couvrir le Coran, faire du khair, faire du sadaqat, elles en ont, faire des sadaqat, elles en ont, elles ressentent une lourdeur. On va conclure, puisque c'est un sujet où en réalité on peut évoquer, comment réussir son jeûne. Comment réussir son jeûne? Encore 2-3 points. En prenant conscience que tous les jeûneurs n'auront pas la même récompense. Subhanallah. Tous les jeûneurs n'auront pas la même récompense. Tout comme tous les prieurs n'auront pas la même récompense. Tout comme tous les hujjages, tous les pèlerins n'auront pas la même récompense. Comment? Un jour un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ayyu sa'imina a'zamu ajra » Quels sont les jeûneurs qui récolteront la plus grande des récompenses? Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Aktharuhum lillahi dhikra. Ce sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah. Ce sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah. Alors il a posé la question sur ceux qui prient, sur ceux qui font des sadaqat, sur ceux qui font le hajj. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Aktharuhum lillahi dhikra. Ce sont ceux qui se rappellent le plus d'Allah. Et en réalité, regarde, compare deux personnes. Ces deux personnes, ils ont jeûné. Par contre, une personne, elle a dormi une grande partie de la journée. Elle est affalée devant la télé. Elle est plongée dans les péchés. Elle se rappelle très peu d'Allah Azza wa Jal. Et une personne qui a passé sa journée dans l'adoration, en plus de l'adoration du jeûne, dans la lecture du Coran, dans le dhikr, dans le rappel d'Allah, les paroles les plus aimées auprès d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, il a prié sur le prophète alayhi salatu wasalam durant son jeûne, il a prié des prières nawafil, il s'est rappelé d'Allah. Est-ce que les deux auront la même récompense? Non.
À tel point que les savants, ils nous donnent l'exemple de deux personnes. Une personne qui part en Umrah, une autre qui reste ici. D'apparence, tu vas dire quoi ? Ah, il est parti en Umrah, c'est lui, il va repartir avec toute la récompense. Moi, je suis là, bloqué ici. Mais subhanallah, les savants, vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent, dans certains cas, la personne qui est restée ici, elle prend plus de récompense que celui qui est parti en Umrah. Pourquoi ? Parce que certains partent en Umrah. Et ça, ça fait partie des spécificités du mois de Ramadan. C'est que la Umrah, durant le mois de Ramadan, elle équivaut à un Hajj. Subhanallah. La Umrah, durant la Umrah, toute l'année, elle a une récompense. Mais elle a une récompense encore plus spécifique durant le mois de Ramadan. Elle équivaut à un Hajj avec le prophète, alayhi salam wa sallam. Mais une personne qui part en Umrah, mais il perd son temps. Il perd son temps. Dans les futilités. Il se rappelle très peu d'Allah dans sa Umrah. Et une autre personne qui est restée ici. Mais lui, il a lu le Coran, il a fait du khair, et lui, il aura plus de récompenses que l'autre. Donc ici, on regarde, ça c'est une règle capitale qui est commune à toutes les adorations. Aktharuhum lillahi dhikra. Ceux qui repartiront avec la plus grande récompense, ce sont ceux qui se rappellent d'Allah, tabaraka wa ta'ala, durant leur jeûne. On conclut le dernier point. Comment réussir mon jeûne ? Mais en réalité, en prenant conscience que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam, mais il y a des piliers bien plus importants que ce pilier. Et parmi ces piliers, la prière. Il est désolant de voir que certains musulmans jeûnent, mais ne prient pas. Encore tout à l'heure, j'avais une discussion avec une personne comme cela, qui me dit qu'il y a du mal à jeûner. Et en discutant, je m'aperçois qu'il ne prie même pas. Je dis, comment veux-tu trouver une facilité dans le jeûne, une facilité dans l'adoration, si tu délaisses un pilier qui est encore plus important que le jeûne, qui est la prière. Et souvenez-vous du plus grand malheur que la communauté musulmane a eu. La plus grande tristesse, c'est la perte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mort du prophète alayhi salatu wa salam. Et lorsque tu étudies la mort du prophète alayhi salatu wa salam, tu vois que tu en tires énormément d'exhortations. Arrêtons-nous sur ce dernier point qui est la dernière prière que le prophète alayhi salatu wa salam a prié en groupe. C'est laquelle ? C'est la prière du dhuhr le jeudi, Yomul Khamis. La dernière prière qu'il a prié avec ses compagnons. Ensuite, la maladie s'est intensifiée. Pendant 3 jours, le prophète alayhi salam ne pouvait pas sortir. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche. Pendant ce temps-là, c'est qui a guidé la prière pour les musulmans ? Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Arrive le lundi, le jour de la mort du prophète alayhi salam. Quelque temps avant de mourir, il a retrouvé un peu d'énergie. Il a retrouvé un peu de force. Il s'est levé. Il a enlevé le rideau qu'il y avait entre lui et la mosquée. Et il a lancé un dernier regard envers sa communauté. Et ce dernier regard, il a vu Abu Bakr et les musulmans en train de prier derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam ? Il a souri. Ibtasama dhahik. Il a souri. Regardez, analysons ce dernier regard. Analysons ce dernier sourire. Analysons cette dernière joie de notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parce que la prière était la chose qui venait, c'était son message est passé. Regardez l'importance de la prière. Regardez la valeur de la prière. Et parmi les dernières paroles qu'il a dit, alayhi salatu wa salam, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière, la prière. C'est pour cela que la prière, elle se fait pendant le mois de Ramadan comme en dehors du mois de Ramadan. Ne sois pas de ceux qui prient que pendant le mois de Ramadan et qui délaissent la prière en dehors du mois de Ramadan. Ne sois pas quelqu'un qui adore le mois de Ramadan mais qui n'adore pas Allah. Allah Azza wa Jal, il mérite d'être adoré durant tous les mois. Donc sois de ceux qui prennent cette grande leçon du mois de Ramadan, la prière. Comment réussir mon jeûne en réussissant sa prière ? والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم pour votre attention وأحسن الله إليكم